Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce 20e épisode d'Objectif Fort Boyard. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai creusé pas mal de stone, histoire d'avoir un maximum de cobble à faire cuire pour avoir un maximum de stone à nouveau. Bon, ça c'est une quantité assez massive, je dois le dire, je dois être honnête. Mais c'est une quantité massive qui vaut le coup. Qui vaut le coup parce que là ça commence à être un petit peu catastrophique la situation. Donc j'essaie d'en faire cuire un maximum ici. Pourquoi? Parce que le stock est pas énormément suffisant. Donc voilà, j'en fais cuire un masse ici. J'ai creusé le tunnel histoire qu'il soit le plus gros possible. Et c'est ce que je vais faire, je pense, jusqu'au bout et jusqu'au départ aussi, parce que j'ai pas fait tout à fait jusqu'au départ, comme vous pouvez le voir. Histoire d'avoir un maximum de stone. Je pense que je vais faire ça dans le futur. Bon, l'objectif là maintenant, ça va être de se débarrasser de ces 50 de cobble qui me restent. Donc on va continuer. Ça va continuer à cuire, on va attendre un petit peu. Il y a peut-être des choses à ramener ici. Je sais pas trop quoi ramener. Je pense que je vais ramener le fer en priorité et l'or. Le reste c'est pas hyper important. Ouais, le reste on peut laisser pour le moment. Mais par contre l'or et le fer, je serais curieux de les ramener. Entre temps j'ai réparé aussi un petit peu l'armure puisque elle était quasiment morte. Donc voilà, il y a juste le plastron que j'ai pas réparé parce qu'il est un break 2 et qu'il est encore pas mal de vie. Donc je me suis dit que je vais le laisser comme ça dans l'état où il est. Et puis j'ai pas réparé entièrement les iron boots. Il y a 4 dégâts à 4 durabilité près, c'est pas énorme. Donc c'est l'heure maintenant de remplir. Ah, il reste 3 blocs à remplir encore. Ok. Et ok, voilà, normalement tout devrait être cuit dans le temps imparti. En tout cas je l'espère. Récolter ça aussi. Bon, ça cuit tranquillou. On va essayer de ramener un maximum quand même. Bon, je vais attendre. Je vais attendre peut-être un tout petit peu. Faut que non, on peut attendre. Je vais aussi faire cuire la diorite maintenant, tant qu'à faire. Avec le mini-or que j'ai. Voilà, on désite plutôt, non? Ah, ça se cuit pas, ça. Ah, je suis étonné. Genre tu peux pas les transformer. Ah, c'est triste. Ah, je suis déçu. Vous voyez là vous la sentez peut-être ma déception. Bon, on va jeter toutes ces merdes alors. Alors granite, andésite, diorite. Voilà, vous mourrez. On va laisser le petit charbon, on sait jamais. Si jamais un petit charbon pourrait resservir. Et on va remonter. On va avancer cette fois-ci pour de bon. Je suis curieux de ramener tout quand même. Soucieux plutôt, parce que curieux, c'est pas le mot approprié, je pense. On va aller du coup maintenant compléter la suite des bases des cellules. On va essayer de faire vite. Et quand il faut faire vite, il faut faire vex. Ok, cette blague était nulle. Donc, on va essayer de faire vite quand même, par contre, vraiment. Parce que la nuit va encore tomber très très rapidement et moi je vais encore me faire niquer. Comme d'habitude, hein, on va dire. Et c'est pas vraiment ce dont j'ai envie. Ah, le bateau il est là-bas. Le bateau. Oh, qu'il est beau le bateau. Non. Ça ne marche pas. Tant qu'à faire, on va passer au coffre mystère, coffre magique, coffre bonus, coffre comme vous voulez. Qui bien sûr évidemment nous donne un gros paquet de stone. Je vais prendre tout ça et on va y aller immédiatement. Illico presto. Comment être moins ringard que ça, je me demande. Donc au prochain épisode, comme je vous l'ai dit, on va faire des spéciales multi. Ça c'est déjà la bonne nouvelle. Alors vous voyez, j'ai avancé, j'ai fait ça avec le stock qui me restait, j'ai fait tout ça. Donc la bonne nouvelle c'est que je vais avancer en multi bientôt, de façon très très vite. Genre dans peu de temps, mais vraiment. Donc
J'ai assez hâte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est au 15. Oui, oui. Oui, celle de 15, elle était là, là ou là. Donc, non. Oui, non, elle était là, celle de 15. Donc, ici, on s'arrête à 14. Donc, 14. On va faire l'intérieur d'abord, histoire qu'on puisse après ne pas être emmerdé pour la suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tutut. Encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors ici c'est ici qu'on va être divisé. Ça marche comment déjà? Oui, ça marche dans le sens là. De mémoire. Ah, je sais plus. Je sais déjà plus comment j'ai fait mes arrondis. Attends, on va voir de l'extérieur. On va partir dans ce sens là. Donc ici on est à là. Ouais. Oui. Oui, ça m'a l'air bon. Attendez, on va faire la zone là d'abord. Et après on va réfléchir. Mais... Non. Là maintenant on réfléchit. Et après on fait la suite. Et après on fait bêtement la suite. Merde. Alors ça, ce genre de bloc gâchis, j'aime pas. On va le faire en double hein, comme ça. Quitte à ce que ce soit des trucs pairs, t'sais. Monsieur maniaque. 3, là. Oui, on est bien sûr un arrondi normal. Et après ça part ici. Oui, c'est bien comme ça que ça marche. Je trouvais le système étrange, mais oui, c'est bien comme ça, c'est bien ici que ça se coupe. Oui, c'est bien ici que ça se coupe. J'avoue que j'aimerais bien avoir confirmation quand même, mais... Attendez, je trouve ça étrange. C'est bien comme ça que ça se coupe. On va aller voir sur les autres... Ah oui, c'est bien comme ça. Oui, non, je dis des bêtises, vous voyez. C'est souvent que je dis des bêtises. Pour la peine, je perds un peu de vie. Alors, ici, donc, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, c'est le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Et ici, c'est l'ul de 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Ici, on referme. Alors c'est ça l'avantage quand on a pas mal de stock d'avance, c'est qu'on peut se permettre de faire des choses comme ça. Alors ensuite, oui, donc ici c'est bien, ouais, ici c'est les 3 c'est dans le sens là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, donc ici en fait on fait pas de distinction, c'est-à-dire qu'on fait comme si ici c'était pas renfoncé. On la joue normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ici. Ça va, la nuit arrive pas aussi vite que ce que je pensais. Ici pareil. 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, on coupe ici. Et enfin ici la cellule de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ici, ça coupe là et après une dernière cellule de 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Nickel, ça tombe parfait. On va faire le renfoncement de ce côté-là. Pardon, mon petit chien-chien, mais tu vas te pousser. Là. Et après, on va faire les liens entre les... Enfin, les murs entre les cellules. On va les faire à la fin. Alors bon, ici, il y a l'escalier, ça tombe mal. On va broyer l'escalier, j'ai envie de vous dire. Oui, en plus, oui, j'ai vraiment envie de broyer cet escalier, puisqu'il ne sert plus vraiment. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire par-dessus. Voilà. Et puis quand il faudra monter, on va faire comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord, oui. Tu viens vite, toi, dis donc. Je t'avais pas vu venir. Bon, ici on va faire comme si cette zone n'existait pas, on verra plus tard comment on s'agence de ce principe là. On va tuer les deux mobs en face. Voilà, je voulais juste tuer le creeper avant l'araignée parce que sinon il allait nous poser des dégâts. L'objectif ça va être juste de faire ça. C'est pas énormément intensif ce qu'on est en train de faire. L'objectif, ouais, l'objectif c'est de pas se faire emmerder par les mobs en fait, surtout ça. C'est la principale difficulté plutôt qu'un objectif. Parce que bon, on sait que dans tous les cas on va se faire emmerder. Exemple, le zombie qui est en train de venir sur ma gueule. Voilà. Eh ben oui, j'avais oublié que j'avais l'arc en fait. Oui, avec l'arc ça va aller plus vite. On gagnait du temps. J'ai entendu un arc, mais j'ai plus rien entendu après, donc c'est étrange. Voilà. Bon. Norman, on va espérer qu'il se TP parce que on va pas vraiment, j'ai pas vraiment envie de l'emmerder. De toute façon, il viendra pas m'attaquer si je regarde pas. Donc, ça va aller tout seul. Alors, alors ici, ce qu'on va reboucher, parce que vous voyez, comme vous voyez, c'est censé être comme ça à la base. Ici, c'est pareil, donc on va broyer l'escalier. On va juste faire comme ça, un accès comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Ah, par contre, ça m'arrange pas le zombie ne m'arrange pas. Ou au pire, il viendra m'attaquer. Voilà. Ah oui, il y en a pas mal ici. On va quand même la jouer, arc. On va aller jusqu'au bout. Y a pas de raison qu'on abandonne là maintenant. Toi, tu vas mourir. Voilà. J'ai l'impression que je m'améliore à l'arc, étonnamment. Alors par contre, je veux bien récupérer son petit arc à lui, parce que j'aime bien récupérer les arcs. Ça me permettra d'en faire un gros à la fin. Ah merde, je sais pas sur moi, mais une fois que j'ai des arcs fusionnés, je fais un énorme arc.
Alors, vous allez mourir. Ah, toi t'es morte. Et toi t'es mort. Voilà. Et comme ça on aura fini enfin le contour. Normalement, si on a 7 blocs. Oui. C'est bon, contour terminé. On va tuer le petit zombie ici. Avec même le petit arc hein, pour le défi. Voilà. Oui, on va acheter ça parce qu'on a pas vraiment besoin. On va rentrer à la maison. Enfin, on va revenir en sens inverse pour reprendre un peu de stock. Histoire de faire les potentiels murs. Dans le peu de temps qui nous est imparti. Bon, au pire, ce sera fait demain. Hein. Ce sera fait dès demain, vous inquiétez pas. Mais... c'est juste parce que j'ai vraiment envie de le finir. Ah, les zombies villageois, ils ont une sale gueule quand même. C'est pas contre eux, mais ils ont vraiment une sale gueule. Wow, 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 qu'est-ce que tu fous là, toi? T'avais aucune raison de venir ici, toi. On va tuer tous les mobs qui sont sur notre passage, qui risquent de nous emmerder. Toi aussi, tu vas mourir. Tu l'as pas mérité, mais tu vas le mourir quand même. J'aime bien, ça fait un peu parcours d'obstacles. Je pourrais m'en inspirer pour une épreuve. Mettez un like si vous approuvez cette idée d'épreuve pour le prochain Fort Boyard. Je verrai. Comme ça, peut-être qu'une épreuve va naître, une nouvelle épreuve du prochain fort va naître grâce à cette série. Ça, c'est ce que je trouve. Ça, c'est un des trucs les plus beaux, je trouve. Qu'on puisse créer ensemble le jeu, quoi. Vraiment les éléments du jeu tels que les épreuves. What? Pourquoi? Ok, il y a un bug. Wow, 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 wow. Mais pourquoi il veut pas tirer l'arc? Mais ça faisait pas ça tout à l'heure, on est d'accord hein. C'est pas normal ça hein. Ok, ah non non, c'est l'arc qui veut vraiment plus tirer. Ah, c'est parce que j'ai plus de flèches. D'accord. Déjà. Heureusement que j'en ai un peu dans le coin. On va tuer l'araignée. Là. On va prendre le bateau histoire de s'enfuir vite de ce cauchemar. Tut. Elle me followait pas, non. Dommage. Bon, et je pense que c'est là-dessus qu'on va clôturer cet épisode. On va reprendre tout le stock ici. Je vais continuer en off comme d'habitude. Et nous, on se retrouve demain. Et pas tout seul. Pour le prochain épisode d'Objectif Fort Boyard. Salut tout le monde. Devant ce magnifique lever de soleil, on va rester là-dessus. Je vais même pour la peine tuer ce petit poulpe qui n'a rien demandé. Non, alors plus haut. Non, alors plus haut. Non, alors plus haut. Bah j'ai déjà plus de flèche, tant pis. Voilà. Je vous laisse sur cette belle image. Au revoir tout le monde. À demain.